Il existe des oiseaux qui peuvent voler en dormant. Et Boris Vian était un peu comme ça. Pas de temps à perdre dans le sommeil. Toujours en train d'inventer et d'écrire pour oublier la mort. Pour vivre jusqu'au bout. Goûter l'urgence des passions. L'amour qui transcende. Les oiseaux ne se préoccupent pas de la mort. Il en est 23 qui ont su y faire face. Qui ont choisi de regarder au-delà. 23 amoureux de vivre, à en mourir. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait d'une tache de sang, parce que prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Il est mort le matin, on était différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs
sans haine en moi pour le peuple allemand. Quand tout sera fini plus tard, en y rêvant.